hier avec deux brasseurs. Quand je suis arrivé, ils m'ont dit, voilà, on veut grandir, mais on est un petit peu perdu. Et on a commencé à discuter et à évoquer ces sujets stratégiques. Et je pense qu'ils y voyaient plus clair. En tout cas, ils commençaient à avoir les questions auxquelles se poser. L'une des erreurs à pas faire, par exemple, c'est de se lancer tout de suite dans les outils. Très souvent, un brasseur qui se lance, il nous dit, ah ben moi, j'ai commencé, j'ai ma gamme de bière, j'ai demandé à un graphiste de me faire un logo et j'ai demandé des devis pour du matériel. Mais faire ça sans savoir où on va, sans avoir écrit un objectif et une feuille de route, croyez-moi, c'est beaucoup d'énergie et parfois de l'argent qui est un peu mis par les fenêtres. Voilà. Préambule un petit peu long, mais vous l'aurez compris, qui me tenait à cœur, parce que je pense vraiment que c'est extrêmement important. Donc maintenant, qu'on a dit ça, finalement, écrire cette stratégie, comment on peut s'y prendre? Il y a trois éléments qu'il faut faire coïncider et un quatrième en bonus. Ces trois éléments, le plus important pour moi, le premier, c'est vos envies personnelles. C'est les objectifs. Où est-ce que vous voulez amener votre brasserie, votre microbrasserie, votre brewpub? Jusque où? Pourquoi faire? Quels sont les objectifs à court, moyen terme? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, j'y reviens, l'équilibre temps pro et temps perso. Où est-ce que vous voulez placer le curseur? Je peux vous assurer que c'est tout sauf négligeable. Troisième élément, et en France, on a parfois du mal à parler d'argent, mais il faut le faire, c'est la question du salaire. Quels sont vos objectifs salariaux à court, moyen terme? Un autre élément financier, c'est l'investissement personnel. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez monter une brasserie à 500 000 euros, il m'étonnerait très fortement qu'un banquier ou qu'un investisseur vous prête de l'argent si vous ne mettez pas une partie de la somme. Là aussi, c'est tout sauf négligeable. Ensuite, il y a la question du personnel. Combien de gens vous voulez embaucher? Combien vous voulez? Beaucoup de gens disent, moi, je veux garder une équipe à taille humaine, par exemple. C'est des vraies questions à se poser. Et puis enfin, votre métier idéal au sein de la brasserie. Est-ce que vous voulez devenir brasseur toute votre vie? Est-ce que vous voulez devenir chef d'entreprise d'une vraie brasserie et pilote d'une belle marque et d'une belle structure? Ou juste directeur du développement? Ou juste vous occuper de la R&D? Voilà, c'est toute une série de questions. Il y en a encore beaucoup qu'il est très important de se poser. Et ça, ces envies personnelles, elles doivent être le fil rouge de votre projet. Ça ne doit pas être l'inverse qui doit se passer. Vous ne devez pas écrire un projet en fonction de vos capacités financières ou du matériel que vous avez choisi ou d'un logo qu'on vous a fait que vous trouvez joli, et après tordre vos envies pour que ça rentre dedans. C'est vraiment l'inverse qui doit se passer. Donc, premier point, les envies personnelles. Le deuxième point, c'est le marché et l'environnement concurrentiel finalement. Aujourd'hui, le marché de la bière, comment est-ce qu'il se porte? Il faut se poser la question en très local ou en régional. Est-ce qu'il y a encore de la place pour une brasserie comme celle que vous voulez faire? Si vous voulez faire un brewpub et qu'il y en a déjà deux dans votre rue qui existent, est-ce que c'est pertinent? Si vous voulez faire une brasserie orientée locale et bio, mais qu'il y a déjà une brasserie orientée locale et bio dans la ville, est-ce qu'il n'est pas pertinent de modifier un petit peu le projet? Quels sont les autres acteurs du secteur? Je l'évoquais à l'instant, leur positionnement, leurs forces, leurs faiblesses. Le but est toujours d'être différenciant à la fin. La distribution, là aussi. Est-ce qu'il y a encore de la place à prendre en CHR, en GMS? Tout ça, finalement, on va commencer à s'approcher du positionnement de la marque et le but va être vraiment de vous différencier dans un marché qui est devenu hyper concurrentiel. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, un, les envies personnelles. Deux, le marché. Et trois, malgré tout, il y a la logique financière. De quoi est-ce que j'ai besoin pour mener mon projet? Est-ce que je veux mener une brasserie? Est-ce que je veux créer une brasserie de 50 hectos ou de 10 hectos? Est-ce que j'ai besoin de un collaborateur ou de 10 collaborateurs? Donc évidemment, tout ça va jouer sur le plan de financement. Ce plan de financement, justement, est-ce qu'il est rentable? Est-ce qu'il l'est assez pour séduire une banque? De qui j'ai besoin comme profil complémentaire au mien, là aussi. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure en préambule, quel est mon apport personnel et quelle va être ma capacité d'emprunt? La capacité d'emprunt va aussi parfois être un petit peu, peut-être pas calculé, mais en tout cas jugé aussi sur votre patrimoine personnel. Okay? Donc, on est vraiment sur trois éléments qui doivent, à un moment où les fils doivent se toucher entre vos envies personnelles, le marché et la logique financière. Et j'ai mis un quatrième point quand même, puisque ça arrive souvent, c'est, on va dire, l'opportunité du moment. Bien souvent, un bâtiment, là aussi, nous, on rencontre souvent des passeurs qui nous disent, ah, j'ai une opportunité géniale dans ma ville, il y a un bâtiment qui vient de se libérer.
Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut y aller, etc. C'est évidemment à prendre en compte, mais si votre objectif, c'est de créer un petit brewpub de quartier et que vous avez visité un bâtiment qui fait 15 000 mètres carrés, il faut oublier, quoi. C'est pas parce que le bâtiment vous semble cool qu'il faut y aller et qu'il faut investir quelque chose de complètement démesuré. OK? Donc finalement, les quatre éléments clés, et vraiment, je vous invite à passer du temps là-dessus, c'est vraiment de vous poser la question de ce que vous voulez faire, ce qui est faisable et pertinent d'un point de vue marché, ce qui est envisageable d'un point de vue financier, et le cas échéant, mettre ça en regard d'une opportunité. Et c'est vraiment finalement de l'analyse de ces quatre éléments que va dérouler presque naturellement le bon scénario. Je peux vous assurer que beaucoup de brasseurs nous qu'on accompagne, lorsqu'au début ils sont un peu dans le flou, comme ça, quand on fait ce travail, et bien presque le bon projet, il tombe un peu comme un fruit mûr en fait, et comme une évidence. Une fois qu'on a fait ce travail stratégique, c'est-à-dire vraiment décrire au plus haut niveau la nature du projet qu'on veut, ensuite, il est important de redescendre d'un petit niveau stratégique et de réfléchir à un niveau un peu plus marketing à ce qu'on va appeler votre positionnement. Finalement, il faut répondre à une question simple. La brasserie que je crée, quelle est-elle? Et surtout, quelle est-elle et que les autres ne sont pas? Et en d'autres termes, pourquoi le consommateur va venir acheter mes bières plutôt que celles du voisin? Et pour ce faire, il y a un exercice très simple à faire, c'est d'essayer de résumer en une phrase courte et simple ce qu'est votre brasserie future. Et je peux vous assurer que parfois même des brasseurs qui ont déjà 2, 3 ans d'existence, qu'on leur dit, mais en fait, ta brasserie, explique-la-moi en une phrase. Pourquoi est-ce qu'elle est différente de celle des 2 200 autres brasseries en France? Et je peux vous assurer que parfois, c'est très dur de trouver la réponse. Voilà. Et cette réponse, c'est ce qu'on appelle le positionnement marketing. Et pour y parvenir, en fait, on va définir ce qui s'appelle une plateforme de marque. De marque, c'est la réponse à une série de questions assez simples en apparence, mais là aussi dont la réponse est souvent assez compliquée. Donc, c'est 7, 6 ou 7, 1, 2, 3, 4, 6 aspects. Le premier, c'est finalement notre identité. Comment on se définit? Alors, à chaque fois, j'ai développé ici un exemple, vous allez voir qui est un petit peu volontairement caricatural, mais au moins qui vous permet de bien comprendre. Donc là, j'invente une brasserie dont l'identité serait, comment elle se définit? Ben, nous sommes la brasserie parisienne qui produit pour les clubs branchés. D'accord? Ensuite, l'autre élément, c'est votre mission, votre raison d'être. Parfois, on dit un peu votre mission sur Terre. Alors, ça peut sembler un petit peu pompeux, mais l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que j'apporte à la filière? Qu'est-ce que j'apporte aux consommateurs qui n'existaient pas avant? Dans mon exemple, la réponse serait, ben, grâce à nous, il y a de la bière artisanale dans les boîtes de nuit. D'accord? Le troisième point, c'est vos valeurs. Être assis sur un socle de valeurs va être primordial dans tous les choix que vous aurez à effectuer un jour ou l'autre. Parce qu'un jour, vous aurez peut-être une opportunité fabuleuse de revendre, une opportunité de marché qui vous fera poser la question, est-ce qu'il faut que je réinvestisse pour encore grandir? Et si vous n'avez pas une espèce de fil rouge intellectuel, ce sera très dur de prendre les bonnes décisions. Ce sera des décisions un peu opportunistes. Alors, être opportuniste, ça a parfois des avantages, mais parfois aussi, ça peut un peu amener dans le mur. Donc, moi, en l'occurrence, ici, les valeurs, j'avais mis la fête, l'audace et le style. Je suis certain que 99% de vous qui êtes en train de m'écouter, vous vous dites, bah, moi, mes valeurs, c'est l'authenticité, la convivialité, le partage et la qualité. Donc, c'est très bien, mais si vous voulez un jour vous vous plier à ce travail, essayez d'être vraiment différenciant. Et de vous dire, bah, l'authenticité, très bien, mais en fait, tous les brasseurs pourraient mettre ça en valeur, la convivialité, pareil, le partage, pareil. Donc, il faut vraiment essayer en fait, de trouver un supplément d'âme dans ce que vous voulez faire, encore une fois, pour vous différencier des autres. Donc, moi, et ensuite, il y a la valeur ajoutée. Là, c'est l'avantage concurrentiel, ce que je propose en plus des autres. Donc, là, en l'occurrence, moi, je mettais dans mon exemple, nous sommes les seuls à proposer un produit marketé et conçu pour la clientèle de club. OK? Enfin, il y a la vision. Alors, la vision, l'objectif, c'est un petit peu le but à atteindre, le cap à franchir. De mon point de vue, c'est presque l'élément le plus important pour bâtir un projet. Parce que là encore, si vous ne savez pas où vous allez, mais dites-moi comment vous allez faire pour choisir un bâtiment. Dites-moi comment vous allez faire pour choisir une taille de matériel, pour choisir vos gammes de bières, tout ce qu'on verra après avec Mathias et Théodore. Donc moi, en l'occurrence, j'ai mis par exemple une vision pour être, nous voulons à 5 ans écouler 5 000 hectos dans les 30 boîtes de nuit les plus en vue en France, Paris, Saint-Tropez, etc. Et enfin, il y a un élément pas négligeable, c'est nos métiers, puisque vous le savez tous autant que moi,
Aujourd'hui, on peut bâtir une brasserie toute simple, on peut bâtir une brasserie avec un brewpub plus ou moins intégré, une brasserie avec juste une taproom. Il y a beaucoup de modèles un petit peu hybrides. Donc là aussi, c'est bien de se poser la question parce que, par exemple, bâtir une brasserie, enfin créer une brasserie, devenir brasseur ou créer un brewpub, c'est deux métiers radicalement différents. D'un côté, je caricature un petit peu, mais vous êtes devant vos cuves avec vos gars de 8h à 19h tous les jours. De l'autre côté, un brewpub, c'est un métier d'accueil où de 16h à 22h, vous accueillez du monde en horaire décalé avec des notions de service, etc. OK? Donc ici, dans mon exemple, nous sommes brasseurs et ça nous permet d'aboutir à un positionnement qui serait de dire finalement, nous, on est la brasserie des clubs branchés dont nous épousons les codes, les besoins et les clientèles. Et vous voyez qu'on arrive à un truc qui est assez clair. Voilà, je vous ai un petit peu expliqué comment structurer une réflexion pour bâtir un projet, bâtir une stratégie de marque. Maintenant, je veux vraiment inciter, et après je laisserai la parole à l'un de mes confrères, sur les 5 erreurs vraiment à ne pas commettre. Là, le premier, je l'ai un peu évoqué, c'est vraiment de penser outil avant de penser stratégie. Alors ça, vous inquiétez pas, vous le faites tous. Mais vraiment, parfois on se dit, mais c'est dingue, tu viens de mettre 100 000 euros dans du matériel alors que tu n'as pas réfléchi en fait à ce que tu voulais en faire, quoi. Vraiment, penser stratégie avant de penser aux outils. L'autre point important, c'est de commencer trop petit. Je vous évoquais tout à l'heure mon bouquin. Là aussi, beaucoup de brasseurs m'avaient fait cette réponse étonnante. Ils m'avaient dit, en fait, nous, on a commencé trop petit, trop modeste. Et au bout, mais parfois même pas de 3 ans, hein, au bout de parfois de 6 mois, ces brasseurs, qui sont pour certains devenus de belles brasseries, me disaient, au bout de 6 mois, on était sous-dimensionné et on a dû réinvestir 400 000 euros alors qu'on venait d'en investir 200 000 6 mois avant. Et laissez-moi vous dire que le banquier, il est beaucoup moins apte à vous reprêter 6 mois après. Ensuite, même chose, c'est commencer en effectif ou en financement réduit. Alors, en effectif réduit, vous risquez là aussi ça risque de devenir l'enfer pour vous. Et là aussi, pensez bien à un truc, c'est que souvent, là aussi, pour avoir accompagné des brasseries qui avaient fait ce choix, pour des raisons financières, on a tendance à embaucher avec soi un opérateur en brasserie plutôt qu'un ingénieur brasseur expérimenté pour des questions qui s'entendent, hein, d'ailleurs, pour des questions de coût. Le problème, c'est qu'un opérateur brasserie, sauf si vous tombez sur la perle rare, va être souvent quelqu'un qui va être moins autonome, moins créatif qu'un brasseur. Donc vraiment, considérez pas qu'il y a un signe égal entre un opérateur brasserie et un ingénieur brasseur au sens propre du terme. La quatrième erreur, c'est de commencer en financement réduit. Parce que là, et là aussi, on a beaucoup d'exemples, ben, commencer avec vraiment un business model ric-rac, c'est des problèmes de trésorerie au moindre couac et au moindre imprévu. Et vous le savez sûrement, dans la brasserie, des imprévus, il y en a énormément. Et enfin, c'est de penser que le marketing, c'est pas bien. C'est un peu dans l'air du temps de se dire que le marketing, c'est un peu un truc pour les salauds qui veulent vendre des mauvais produits. Faire de la bière, c'est très bien et c'est quand même la base du métier, mais bien la marketer, bien la vendre et faire une belle étiquette qui se différencie dans les grands linéaires de supermarché, franchement, c'est encore mieux. Voilà. C'est difficile d'être exhaustif, évidemment, on ne peut pas l'être, mais je pense que voilà, je vous ai donné quelques éléments importants sur le fait de bâtir sa stratégie. Une fois que cette stratégie est écrite, eh ben, c'est là qu'on rentre dans le détail. Et ça me fait une excellente transition pour donner la parole à mon collègue de chez Brewing Theory, Théodore. Bonsoir à tous, merci Olivier pour cette transition. Merci de nous proposer ce webinaire et de pouvoir y participer. Alors, je me présente, je m'appelle Théodore Bécard. J'ai créé Brewing Theory il y a maintenant 2 ans, après 7 années passées en tant que brasseur pro dans deux brasseries de la région Nord. Où j'ai pu travailler sur différents sujets, allant de la production à la recherche et développement jusqu'à la qualité, et en survolant un petit peu un certain nombre de problématiques que les brasseurs peuvent toucher. Chez Brewing Theory, aujourd'hui, il y a deux mots qui nous parlent beaucoup, c'est la passion et l'innovation. Alors, il y a une autre brasserie qui utilise aussi la connaissance, mais je ne voulais pas leur piquer, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, on vient, en termes d'activité, faire de la formation, du conseil, de l'accompagnement sur
le dimensionnement et le choix du matériel en collaboration avec les fournisseurs. On travaille également sur la création de recettes, et c'est sur ce point-là que je vais un peu plus m'étendre aujourd'hui, ainsi que l'analyse sensorielle et les analyses physico-chimiques et microbiologiques avec le laboratoire qu'on a au sein de la société, ce qui est situé à Marcq-en-Barœul. Voilà pour la courte introduction. Pour revenir sur la question du produit, finalement, cette bière, c'est le cœur de votre projet. Pourquoi? Parce que avant même de vous dire, tiens, je vais créer ma brasserie, vous avez peut-être déjà brassé votre bière en tant que brasseur amateur, vous avez dégusté la bière d'un copain, ou alors justement, vous avez fait déguster cette bière à un copain et vous vous êtes dit, tiens, c'est génial, ma bière est bonne, finalement, c'est facile de faire de la bière, je vais monter mon projet. Cette recette de bière, c'est du coup à la fois une finalité et un point de départ. C'est la finalité dans l'aboutissement d'un projet d'un point de vue de produit. Tous les points que Olivier a cités plus haut, le positionnement, la stratégie de marque, les valeurs de votre entreprise vont se retrouver dans la recette de bière, la gamme de produits. C'est cette finalité-là. Voilà. Et c'est aussi un point de départ parce que c'est le point de départ de ce produit, ça sera le premier produit que vos clients, que vos consommateurs vont déguster. Et donc, le premier regard sur votre projet, ça ne sera pas forcément votre lieu de production, ça ne sera pas forcément votre stratégie marketing, ça sera finalement le goût et toute la partie organoleptique. Alors, la partie organoleptique, elle est large. On va aborder à la fois le sujet de la présentation, du visuel, mais aussi des flavors. Rappel, flavors, c'est les arômes et les saveurs. Cette qualité organoleptique, c'est un témoin par son emballage, si vous avez choisi de faire du fût, de la bouteille, de la canette, mais ça va être aussi finalement la qualité des arômes et du risque au niveau du risque d'avoir des problèmes de qualité sur votre produit. Oxydation, gushing. Si au démarrage de votre brasserie, vous n'êtes pas capable d'avoir un produit qui est stable, forcément, l'image de votre produit associé sera forcément négatif et, comme on dit, entre guillemets, il n'y a jamais de première mauvaise impression. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, c'était sur la slide précédente. Mais peu importe, voilà. Vous n'aurez jamais, moi je le mets rarement, une deuxième chance pour faire une bonne première impression. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est pas grave, je suis dans ma discussion, dans l'échange. Ce qui est du coup très très important, et ne vous dites pas, tiens, ça fait 10 ans que je brasse en amateur, ça fait 5 ans que je brasse en amateur, tous mes copains, tous mes oncles, mes tantes, ma copine, ils aiment ma bière, j'ai pas besoin de me former. Formez-vous, parce que brasser, entre guillemets, comme on pouvait le dire à l'époque, dans sa salle de bain, c'est pas tout à fait la même chose que de se retrouver avec non pas un brassin de 20 litres, mais un brassin de 2000 litres ou de 4000 litres chez soi, avec plus de 4 500 € de trésorerie qui ont été mis en jeu, et se retrouver avec un faux goût de pommes vertes, un faux goût d'acide acétique ou de bactéries lactiques, parce que finalement, c'est marrant, ça ne fonctionnait pas pareil avec le Chemipro à la maison. Pour ça, vous avez un certain nombre d'instituts, de formations qui proposent des formations vraiment de qualité, Douai, Nancy, La Rochelle, et ce n'est que des exemples parmi tant d'autres. Voilà, point d'importance, se former. On peut passer à la partie suivante. Quand on vient travailler son cœur de gamme, c'est vraiment ce qu'on va présenter dans notre brasserie à nos clients. On va travailler chaque recette une à une. Moi, je vous propose une petite méthodologie que j'utilise pour essayer de m'y retrouver dans ce processus de création de recettes. La première chose que j'effectue, c'est que j'essaye de quitter mon logiciel de brassage amateur ou de brassage, mon Beer Smith, mon Jolly Bull, mon Brewfazer, etc. Parce que dans ces logiciel-là, je vais me retrouver avec un certain nombre d'éléments qui seront déjà proposés, qui vont vraiment me guider. Donc, du coup, c'est facile. J'ai juste à sélectionner un style de bière, une PLL, et de bouger les différents curseurs pour pouvoir créer ma recette de bière. J'ajoute un peu de malt, un peu de houblon, et finalement, j'ai quelque chose qui, sur le papier, sonne plutôt bien. Et derrière, j'ai plus qu'à le mettre en pratique. Sauf que derrière, je ne maîtrise pas mes différents paramètres. Et donc, du coup, je n'apprends pas. Donc, la première chose que je vous conseille de faire, c'est essayer de
de prendre un peu de recul sur ces logiciels de brassage et essayer de comprendre par vous-même, en vous formant, en essayant de lire des bouquins, etc., de trouver comment on crée une recette de bière. Et ensuite, le second point, ça va être comment je vais cadrer ma recette de bière. Pour ça, j'utilise ce que j'appelle la méthode du brief, c'est qu'on va faire une fiche d'identité la plus précise possible sur votre recette de bière. Alors là, on va le faire un peu sur une recette de bière, mais l'idée, ça sera ensuite de le refaire pour l'ensemble des recettes de votre gamme. Ce brief, justement, ça va être, on va retrouver ce côté finalité, point de départ. On va poser les différents éléments du brief comme une finalité, et ces différents éléments vont être aussi le point de départ pour pouvoir comparer entre le brief défini et la recette finalement créée, voire produite, et voir comment elle évolue dans le temps. Alors, ce brief, on va reprendre les différents éléments qu'Olivier a abordé tout à l'heure sur la stratégie de marque, etc., le nom du projet. On peut aussi réfléchir à la date de lancement estimée, par exemple. Est-ce que c'est une bière que je vais produire à l'année? Est-ce que c'est une bière de saison? Est-ce que c'est une bière de Noël? Est-ce que c'est une bière pour un événement spécifique? Voilà. Ensuite, on peut aussi partir, quand on rentre plus dans le brief, partir soit sur une inspiration qui va tourner autour d'un style de bière. Alors, style de bière, c'est une façon de catégoriser les différents types de bières, différents tiroirs. Soit vous partez d'un style et vous vous inspirez de ce style-là pour créer votre recette de bière, soit vous définissez vous-même vos grandes valeurs cibles. Taux d'alcool, EBC, donc EBC c'est la couleur de la bière, l'IBU c'est l'amertume de la bière, le ressenti, les arômes, les saveurs, etc. Et pour ça, nous on va les décrire au fur et à mesure. Alors par exemple là sur le modèle qui est présenté sur les slides, vous allez avoir la robe, donc l'aspect, la couleur. Est-ce que c'est une blonde, une brune, une ambrée? Est-ce que je cherche une bière qui est plutôt voilée, qui est plutôt clair? Alors attention, c'est une recette, hein. Dans la gamme, vous pouvez choisir d'avoir différents types de bières. Vous pouvez très bien définir, je veux que des bières qui soient limpides ou que des bières qui soient hazy, comme c'est à la mode en ce moment. En termes de mousse, on va regarder la couleur, on va regarder l'aspect. Est-ce que je veux une mousse crémeuse? Est-ce que je veux une mousse d'une couleur brune? Est-ce que je veux une certaine homogénéité ou hétérogénéité? On va regarder également les arômes. C'est que tous les deux. Est-ce que je recherche des notes de fruits de la passion, herbacées, mentholées? Est-ce que je cherche à avoir une corrélation entre l'arôme que j'ai au nez et ce que je vais retrouver en bouche? Théo, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, du coup on t'entend moins bien. Attends, on va essayer nous de le bloquer. Ah, pardon. C'est pas grave, c'est bon. Pas grave, Maxime, c'est bon, c'est pardonné. Du coup, oui, je revenais sur vraiment définir vraiment ce que vous recherchez. C'est pas forcément de se dire je veux une IPA et il faut que ça soit agrume. Je veux une bière qui ait des notes herbacées, et donc du coup, je vais essayer de travailler autour. Ça va vous permettre d'être aussi original dans votre méthode sans forcément toujours travailler sur les styles. Et puis on va descendre comme ça sur l'intensité de l'amertume, la longueur de l'amertume en bouche, l'intensité de la pétillance, est-ce qu'elle est fine, est-ce qu'elle est plus importante, l'acidité ressentie qui va venir en opposition ou en complément de l'amertume, hein. Je prends l'exemple souvent du pamplemousse, hein, qui est à la fois amer et acide, la minéralité, et on peut même aller plus loin en se disant tiens, j'ai un brewpub, je vais créer une gamme de bières qui soit en accord avec les plats que j'ai dans ma brasserie. Voilà, donc ça c'est vraiment cet exercice de brief. Associé à ce brief là, vous pouvez également venir rechercher les différents caractéristiques si vous avez des ingrédients que vous voulez mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a un houblon régional? Est-ce que vous voulez du malt qui a été malté à façon parce que vous êtes paysan brasseur? Est-ce que vous voulez travailler une eau spécifique, travailler les adjonctions du chlorure, jouer sur le pH, et également avoir un certain nombre d'éléments au niveau du process, de se dire voilà, aujourd'hui, alors je prends un exemple qui est assez rare quand même, je vais brasser en décoction, donc du coup ça c'est une de mes contraintes, il faut que je brasse en décoction, et donc du coup je vais créer ma recette autour de cette méthode de décoction. Voilà, est-ce que je fais un souring, est-ce que je veux faire une fermentation mixte, une fermentation basse, une fermentation haute? On peut dire du coup mettre un certain nombre d'éléments pour définir le plus précisément possible ce brief. Voilà, je me répète un petit peu. Autre chose qu'on peut faire en parallèle de ce brief, c'est faire un benchmark, c'est d'aller du coup déguster des bières, les bières qui nous plaisent, les bières qui nous plaisent moins dans les différentes catégories, et d'identifier ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins, et ce que je veux retrouver ou ce que je ne veux pas retrouver par rapport au style qui est défini.
Et enfin, moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de créer un template, un document récapitulatif associé, c'est-à-dire créer votre recette de bière, votre façon de calculer votre recette et du coup de mieux maîtriser tous les paramètres. Donc, voilà, point de Théodore, si je peux me permettre aussi, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure, je t'ai pas entendu le dire, mais cette méthodologie extrêmement rigoureuse va permettre de créer une bière comme vous la voulez et surtout de la reproduire. Je pense qu'on sera nombreux à être d'accord pour se dire que aujourd'hui, l'un des marqueurs de la qualité d'une brasserie, c'est la stabilité des produits. Une méthode comme celle-ci va très largement permettre d'avoir une stabilité et une rigueur dans la production, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et justement, je reviendrai un petit peu sur les différentes erreurs à éviter sur les slides d'après. Voilà, donc tout ça pour dire que ce brief, finalement, c'est aussi votre point de départ dans la maîtrise de vos process, donc dans la recherche d'une qualité constante, d'une stabilité. L'idée, c'est de toujours essayer de récolter de la data tout au long de vos processus. Alors, vous pouvez récolter de la data commerciale, mais aussi de la data de process sur vos paramètres, mieux les comprendre et savoir les reproduire. Alors, pour s'y retrouver, une fois qu'on a fait nos différentes recettes, on peut essayer aussi de prendre du recul sur sa gamme et de venir repositionner ses bières sur différents outils. Alors là, moi, ce que je vous propose, c'est juste de le reprendre, par exemple, ici, sur la couleur, sur le BC, et de se dire, bah, tiens, je remarque quand même qu'en remettant les différentes bières de ma gamme, je me retrouve avec 80% de mes bières qui sont des bières blondes. Comment je vais réussir à me distinguer? Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu redondant? Est-ce que c'est cohérent par rapport à mon cœur de gamme? On peut passer à la slide suivante, si tu veux. Sur un même regard, on peut utiliser d'autres outils. Alors là, ici, c'était juste vraiment pour illustrer. Vous pourrez prendre le temps de les regarder progressivement. Et vous avez la relation entre le taux d'amertume et la couleur. Comment se positionne éventuellement votre gamme par rapport au style existant? Et est-ce que vous avez bien ciblé ce que vous vouliez? Et vous pouvez également placer ça sur le graphe de droite. Pour ceux qui connaissent, c'est ce qu'on appelle le BUGU ratio. C'est un graphique qui permet de comprendre l'impact du ressenti de l'amertume en fonction de la densité initiale. Je m'explique. En gros, plus votre produit a une sensation sucrée, plus l'amertume sera atténuée. Et donc, en fonction de la densité initiale et donc potentiellement de la densité finale, on va ajuster le niveau d'amertume. Et pour cela, vous pouvez aussi essayer de repositionner vos différentes bières pour essayer de voir si vous avez que des double IPA ou que des bières très maltées ou si vous cherchez justement à avoir une gamme qui est assez complète et qui est assez différente. Alors, je vais passer rapidement à la slide suivante. Ce qu'il faut vraiment faire attention quand on a cette expérience de brassage amateur, parce que finalement avant de brasser en pro, on va aussi faire ses essais, faire les essais de notre côté, c'est de pas oublier de prendre en compte le rendement d'extraction du matériel de brasserie qui sera différent entre votre façon de brasser à la maison et votre façon de brasser en pro. Si vous vous retrouvez avec un écart de 5% d'extrait potentiel, forcément sur votre trésorerie, et ça peut avoir un impact. Aussi important quand on passe en pro, généralement quand on est en brassage amateur, on n'a pas forcément toutes les informations des ingrédients, c'est de bien vérifier la qualité de l'eau, par exemple, entre là où j'ai fait mes essais, où mes bières sont bonnes, et là où je vais brasser, est-ce que c'est la même eau? Je vous conseille du coup de faire des analyses d'eau, de les comparer et éventuellement d'ajuster les composants minéraux pour s'assurer d'avoir le même rendu. Et puis, le faire également pour les autres ingrédients. Le malt au niveau du pourcentage d'extrait, les houblons au niveau des acides alpha. On peut avoir d'une année sur l'autre une variation assez importante des acides alpha, jusqu'à 5 à 6 parfois, et du coup de se retrouver avec des bières beaucoup plus amères que ce qui était prévu. Quand on vise du 10 IBU et qu'on se retrouve avec une bière à 15 IBU, forcément, ça ne fait pas le même taf côté dégustation. Voilà, on reprend les mêmes éléments pour la levure, etc. Vous imaginez le principe. Je vous conseille aussi de bien suivre la fermentation. En brassage amateur, on a 20 litres, donc on évite de prendre trop de densité parce que finalement, à la fin, il n'y a plus rien à boire. Quand on a une cuve de 2000 hecto, on peut se le permettre et il faut le faire. Et surtout, j'insiste, faites une atténuation limite. Ça vous permettra de bien savoir à quel moment vous allez pouvoir passer votre bière en garde. Autre petit tips en termes d'épices, aromatisation, dry hopping. Visez plutôt un ajout plutôt
plus bas que prévu. C'est pas, l'extraction, elle n'est pas, pas proportionnelle. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des essais et d'y aller progressivement. Je préfère que vous commenciez avec une bière qui ne sente pas les spring rolls et plutôt que plutôt qu'avoir un vin chaud, si vous voulez rajouter de la cannelle, ce sera un peu compliqué à vendre derrière. Voilà. Dernier point, être intransigeant sur les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication en brasserie. Et puis, le respect du taux d'alcool, faites analyser vos bières. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce que ça va assez vite finalement, le temps file vite. Et le respect de la réglementation, notamment la réglementation INCO qui reprend tout ce qui est l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. On a l'impression que c'est simple de faire une bière à la maison, mais quand on regarde la réglementation côté étiquetage, c'est très compliqué. Vous avez une fiche étiquetage qui est étiquetée par la, qui est éditée par la DGCCRF que vous retrouverez directement. On a mis le lien dans les slides. Et alors, si je peux me permettre, Théodore, t'inquiète, on est plutôt pas trop mal dans le timing. On avait reçu hier ou cet après-midi un mail de l'un ou l'une d'entre vous pour justement des infos un peu comme ça sur le, la réglementation. En une heure, c'est franchement impossible de d'évoquer ça dans le détail. Par contre, en effet, les infos que tu donnes sont justes et les liens sont bons. Il y a aussi les syndicats hein, qui peuvent, sur tous les aspects réglementaires, qui peuvent vous donner des infos. Et ils sont même en général à la source, quoi. Donc, les syndicats aussi peuvent être, pour tout cet aspect réglementaire, une bonne source, quoi. T'as fini, Théodore ? Ben, moi, c'est bon. Maintenant que vous avez défini vos produits, il va falloir savoir dans quelle marmite on va les brasser. Exactement. Du coup, Mathias, c'est à toi. Bonsoir à tous. Mathias Zimp, responsable commercial de la société Coenco depuis 2017. Nicolas m'a déjà présenté, donc merci Nico. Olivier, moi, mais je sais que tu bosses aussi avec Nico régulièrement. Olivier, qu'est-ce que vous devez savoir encore de mon côté? Moi, je suis technicien de formation. J'ai fait aussi des études de gestion d'entreprise en international et que je suis brasseur amateur depuis 2016. Donc, je brasse souvent aussi chez notre client les mises en route. Moi, je le fais. Et peut-être que je suis aussi flamand. Peut-être que quelques-unes parmi vous pouvoir l'entendre. Donc, j'ai vu passer quelques messages. Tous les slides seront partagés. Moi aussi, dans mes slides, j'ai quelques tabelles ou tableaux sur lesquels il y a des infos techniques. Donc, ça sera vous partagé et envoyé par la suite. Donc, avant de vous parler du dimensionnement de l'équipement, je me permets de vous vite expliquer qui c'est la société Coenco. Donc, Coenco, nous sommes une constructeur micro-brasserie belge qui existe depuis 1998. Donc, notre force est vraiment de proposer des solutions globales aux brasseurs. Nous pouvons le faire grâce à notre équipe d'une vingtaine de personnes, de l'ingénierie à l'installation et les services après-vente. Nous avons toutes les compétences en interne pour aider les brasseurs. Nous fabriquons des salles à brasser de 60 litres, donc des lignes pilotes, comme Théo a dit, pour faire la recherche et développement de vos recettes. Ça, nous fabriquons jusqu'aux des brasseries de 2500 litres. Nous ne faisons pas des plus grandes brasseries, car après ça, ouais, ça devient autre chose. Et ben voilà, nous voulons vraiment être le spécialiste pour les microbrasseries et être le partenaire référent pour eux. Nous pouvons donc proposer du matériel de A à Z, du moulin à malt jusqu'aux les lignes de conditionnement et tout l'équipement auxiliaire qui vient avec. Pour les lignes de conditionnement, on est l'agent de la société Chimecaredu. C'est une constructeur de lignes de conditionnement italienne et nous faisons donc pour eux et la vente, l'installation et le service après-vente en France, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse. Ouais. Prochaine slide. Ouais. Merci. Donc avant de commencer, il est très important de savoir qu'il n'existe pas une solution idéale qui soit la même pour tout le monde. Chaque projet est différent et chacun a des autres objectifs, des autres besoins et des autres possibilités.
Commençons par les points que nous allons aborder dans cette présentation. Bien sûr, il y a plus, mais nous abordons que les plus importants. Il y a trois grands points dont nous allons parler pour faire le choix du matériel. 1. Définir qui vous voulez atteindre, ce que Théo et Olivier ont déjà discuté. Dimensionnement d'un projet et trouver le bon endroit pour votre brasserie. Chaque point comporte quelques questions et la combinaison des réponses à ces questions amènera une solution unique pour votre situation. Merci. Prochaine. Donc, comme ils ont déjà dit, une question importante à se poser, qui est-ce que je vais atteindre? Vous voulez vendre votre bière dans des magasins ou dans votre brewpub? Dans les deux cas, c'est le même produit, mais avec une approche différente. Bien sûr, une combinaison des deux est possible, donc d'avoir une brasserie de production avec une petite brewpub à côté. Mais il est donc important de faire une bonne étude de marché. Je ne vais pas aller trop loin sur ça parce que Théo et Olivier ont déjà parlé de ça. Ouais. Donc, mais cela a des conséquences sur la composition de votre brasserie. Si votre modèle commercial consiste donc à brasser de la bière et puis la vendre à l'extérieur, ensuite, il est également important de tenir compte du fait que vous devez conditionner la bière, soit en bouteille, soit en canette ou soit en fût. Vous pouvez opter pour des solutions manuelles, semi-automatiques ou automatiques. Chacune a une différente... Ça dépend de votre taille de projet. Chacune a des autres caractéristiques et aussi des autres investissements qui viennent avec. Une question importante qui devrait également être posée est de savoir si vous voulez travailler en ISO ou en la réfermentation en bouteille. Dans le brewpub, c'est mieux de travailler en ISO, par exemple. Tout est possible, mais bien sûr, cela dépend de votre projet spécifique. Ensuite, si votre modèle commercial consiste de brasser et vendre sur place, il existe des solutions pour connecter la bière directement à la pression. Donc, il n'y a pas besoin de, par exemple, des bouteilles, des fûts, des canettes ou des autres choses. Sur la gauche, par exemple, vous voyez ce qu'on appelle des cuves de service, un système très simple qui peut être placé au-dessus du bar ou à côté du bar. Il y a plusieurs versions possibles et qui fonctionnent avec des poches. Le plus grand avantage est, grâce à ces poches, qu'on évite à travailler avec des produits de nettoyage au-dessus du bar. Il ne faut pas que je vous explique l'avantage d'éviter de travailler avec de la soude au-dessus du bar où les gens sont. Et sur la droite, vous voyez un système où la ligne Python est directement connectée au fermenteur et qui va directement au bar. Il est logique que la marge par litre de bière soit plus élevée ici, mais il faut savoir que la cuve reste bloquée jusqu'au la soit vide, donc vous perdez un peu la flexibilité. Mais juste pour tout montrer qu'il existe des solutions assez intéressantes pour ça. Donc, savoir quel concept de brasserie vous souhaitez est une première étape importante dans le choix du matériel, principalement pour déterminer la composition complète du matériel au niveau de conditionnement. Prochaine slide, s'il vous plaît. Ouais. Donc maintenant qu'on sait à quoi ressemblera notre concept ou votre concept, il est temps de poser la prochaine question importante. Quel volume de bière je souhaite vendre par an? Et cela pour la première année et à moyen terme. Vous devez définir un objectif, ou donc, comme Olivier a dit, vous devez définir un objectif avant de commencer. C'est ainsi que vous pouvez dimensionner l'équipement dont vous avez besoin. Et les réponses à ces questions constituent la base pour tout business plan. Et comme ça, vous pouvez aller aux banques pour aller chercher de l'argent. Je ne vais pas aller trop loin sur ça non plus, mais donc les slides sont là et ils seront vous envoyés. Notons que Mathias, tu ne l'as peut-être pas vu, mais il y a quelqu'un qui a posé justement cette question-là d'estimer la quantité à vendre pour être rentable finalement. Alors, dans l'absolu, cette question, on ne peut pas y répondre, ça dépend du projet, mais en tout cas, au moins, les ratios qui sont ici peuvent donner des Oui, c'est très difficile à répondre parce que ça dépend si vous êtes en centre-ville.
ville de Paris et vous pouvez vendre votre bière à 15 euros par litre si c'est dans une brewpub ou si vous avez une brasserie de production et vous devez la vendre à 5 euros ou 6 euros. Le coût de bâtiment, il y a beaucoup de... Comme dit, chaque projet est unique. C'est ça qui est chouette. On voit le tout. Ouais, c'est vraiment difficile à dire ça. Ce que j'ai toujours attendu, d'où ça vient, ouais, c'est pour être ou pour faire break-even, 300 hectolitres. Ça, c'est un peu le norme pour débuter. Et pour une personne seule. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Comme dit, ça dépend vraiment. Nous faisons ensemble avec nos clients parfois des calculs de ROI, Return on Investment en anglais, donc le revient de prix. On fait ça ensemble avec eux pour voir. Et puis, on fait ça ensemble. OK, le coût du matériel, le coût du bâtiment, le coût de matière première. Et comme ça, on atteint une certaine volume. Mais comme dit, ça vraiment dépend du projet spécifique. Le truc à laquelle vous devez vraiment faire attention, donc vous pouvez acheter une brasserie de 10 hectolitres, par exemple, mais le limite ou le facteur limitant sera toujours la capacité de fermentation. Vous pouvez brasser tous les jours, mais il faut être capable de stocker la bière quelque part. Et également important, c'est que vous devez faire attention aux pertes possibles pendant le processus de production. Vous aurez des pertes lors du brassage, de la fermentation, des transferts, le conditionnement, tient compte à 10% du volume brassé. Donc, si vous voulez conditionner ou avoir 1000 litres de bière, par exemple, dans les bouteilles ou dans les canettes, il vaut mieux viser 1100 litres de bière après ébullition. OK. Donc, comme dit, ouais, c'est un petit exemple que je voulais montrer ou que je voulais partager avec vous. La capacité de fermentation est le facteur limitant. Et pour ne pas être bloqué dans vos plans de croissance, il est important de penser à deux étapes à l'avance. Comme vous pouvez le voir dans le petit schéma et sur la photo, sur les croquis d'implantation qu'on a fait là, on a déjà prévu de la place pour qu'ils pourraient tripler leur capacité dans ce brasserie. Dans la prochaine photo que vous allez voir, c'est donc au bout de 2 ou 3 ans, on a rajouté les fermenteurs et comme ça, ils pourraient donc faire des ajustements ou faire un agrandissement sans devoir faire des gros ajustements à leur installation ou à leur bâtiment. Donc, à retenir, ayez toujours un objectif à court et à moyen long terme. Et si l'emplacement le permet, lors de la conception de la brasserie, vous devez garder à l'esprit les futurs plans d'expansion. Ouais. Donc, ce qui est également important pour le dimensionnement et les choix du matériel, c'est déterminer le style de bière que vous voulez brasser. Comme Théo a dit, vous pouvez brasser en décoction, en infusion, vous pouvez faire des bières à fermentation spontanée. On ne va pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Mais il existe donc plusieurs sortes de bières. Nous avons des pils, des IPA, et tous ces styles ont une approche différente de production. Le nombre des recettes et le temps de garde est important aussi pour le dimensionnement de projet et surtout sur les nombres de cuves de fermentation. Un point sur lequel je veux vous en parler, c'est la capacité de dosage de malt qui est très important pour le dimensionnement de la salle à brasser, plus important que le volume que vous pouvez brasser. C'est une erreur courante que j'ai des brasseurs qui viennent chez moi et qui me disent, chez vous, la brasserie est 10 hectolitres, chez une autre, c'est 12 hectolitres, quelque chose comme ça. Fais gaffe à ça. Par exemple, chez constructeur A, une brasserie de 10 hectolitres peut sortir que 16 hectolitres, une autre brasserie de 10 hectolitres, chez nous par exemple, ou chez quelqu'un d'autre, peuvent sortir 18
une bière de 18 plateaux. Donc ça, c'est très important et vous devez vraiment regarder ça ou discuter avec votre fournisseur potentiel que le volume de, ou la capacité de dosage de malt est plus important que le volume. Voilà. Pour, je vous donne un petit exemple pour vous rappeler de l'importance de la capacité de malt de la brasserie. Comme vous voyez sur, une brasserie, sur la brasserie à gauche 2000 ou 2000 litres et sur la brasserie à droite 2000 litres, il y a une différence de capacité de malt maximum. Bien sûr, tout dépend du rendement que vous pouvez obtenir avec les matériels en question, mais ouais, cela n'est pas pris en compte maintenant. Ouais, deux autres questions très importantes. Combien de jours par semaine ai-je envie de brasser? Ou est-ce que je vais embaucher du personnel? La réponse à ces questions indique, ensemble avec le dimensionnement de l'équipement, le degré d'automatisation de nos équipements. En plus du brassage, il faut aussi vendre la bière et faire l'administration. Donc, ouais, c'est pas. Donc, si vous pouvez automatiser quelque chose, par exemple, le versement de malt automatisé, ça fait vous gagner du travail physique, ça fait vous gagner du temps avant de vous commencer de brasser. Il y a les transferts automatiques, certainement intéressant pendant, après le brassage pour faire un sip automatique. Donc, pendant que le sip est en train de se faire, vous pouvez faire autre chose. Le sip automatique des fermenteurs, vous branchez ça au fermenteur et vous pouvez faire autre chose. Donc, si vous devez faire le choix entre embaucher du personnel supplémentaire ou automatisé, alors le choix est parfois rapidement fait. Une de mes professeurs dans des cours de brassage m'a toujours dit la première chose à automatiser dans une brasserie, c'est le sip ou c'est le nettoyage. Parce que c'est le nettoyage qui prend le plus de temps et qui est le plus critique dans, dans une brasserie. Et le gros avantage de l'automatisation est aussi que nous pouvons rendre le matériel demi-proof. Donc, ouais, moins de risques pour faire des erreurs et tout le monde peut travailler avec. Et aussi pour réduire l'effort physique et réduire le nombre des employés. Donc, après avoir dimensionné le projet, il est temps de trouver le bon endroit pour votre brasserie ou bien pour intégrer le matériel dans un bâtiment existant. Une question qui se pose souvent est de savoir combien d'espace de production est nécessaire. Il n'y a pas, de nouveau, il n'y a pas de solution idéale ici. Tout dépend du projet spécifique et de l'espace disponible, mais nous pouvons quand même donner quelques lignes directrices dans le petit tableau que vous voyez. Par exemple, pour une brasserie 5 hectolitres, entre 40 et 70 mètres carrés et une hauteur de 3 mètres. Pour une brasserie 10 hectolitres, 70 mètres carrés, entre 70 et 130 mètres carrés et une hauteur de 3 mètres 60. Pour un 20 hecto, voilà, vous le voyez dans le petit schéma. Pour calculer rapidement, j'ai toujours fait, mais ce n'est pas juste, mais pour, ça donne une indication. Donc, prenez le volume de la salle à brassage, donc par exemple une 10 hectolitres, fait x 10 et vous avez le nombre de mètres carrés requis pour le projet. Comme dit, c'est juste un calcul rapide qui donne une indication, mais ça peut être certainement vous aider à vous lancer là-dessus. Et vous voyez donc quelques croquis d'implantation des brasseries 5 hectolitres. Je veux vraiment faire votre attention sur le fait qu'il y a aussi des autres choses qui sont très importantes. C'est l'évacuation d'eau, la teinte du sol sur 2% préférable, que vous ne devez pas nettoyer tout le temps. Une bonne locale technique. Et peut-être, oui, si vous avez une brewpub ou vous avez une brasserie de production, être capable de faciliter les visites de la brasserie. Une conception de brasserie bien pensée peut vous faire économiser beaucoup de temps de travail physique et des coûts supplémentaires par la suite. Et donc, un dernier sujet dont je voudrais vous parler est le choix entre le gaz et l'électricité pour la chauffe de la cuve de brassage. Parce que c'était une question qu'on a eue, donc quelqu'un nous a demandé, ben voilà, est-ce qu'on prend de l'électricité? Et je vois beaucoup qu'il y a souvent cette question.
Tout d'abord, il est important de savoir quelle source d'énergie il est disponible. Si vous êtes dans le centre-ville de Paris ou Bruxelles, ou vous êtes à la campagne, parfois il n'y a pas de gaz, parfois il n'y a pas la connexion triphasée. Ici, nous ne prendrons qu'en compte le choix entre le gaz et l'électricité pour l'eau surchauffée, donc pour chauffer en double paroi la cuve de brassage. C'est ainsi important pour savoir quel investissement nous devons faire. Dans le tableau, vous voyez un aperçu d'une brasserie d'une capacité qui a fait 1000 hectolitres sur 5 années. Nous avons calculé avec 25 kWh par hectolitre brassé, et cela au tarif correspondant pour les gaz et l'électricité. Ce sont des valeurs, donc ça peut varier en fonction de votre emplacement. Donc pendant, vous voyez dans ce tableau, pendant ces 5 années, vous paierez 9 000 euros de plus pour la consommation électrique. Mais sachez que si vous devez acheter une générateur de gaz ou une générateur de vapeur, en plus, ça importe aussi une coût supplémentaire. Donc, ouais, ça peut prendre, si ça prend 10 ans pour rembourser le matériel, c'est bon pour faire l'étude avant. Voilà. Et donc, bien pour finir, résumer, j'ai fait une brève aperçu de tous les points clés dont nous avons discuté. Et voilà quoi, merci beaucoup pour votre attention. Merci Mathias. Alors, je crois qu'on est pile dans le timing, il est 19h. On a juste maintenant 3 minutes, c'est-à-dire 1 minute pour moi, 1 minute pour Théo, 1 minute pour Mathias, pour vous présenter le cas pratique qu'on a monté. Pas d'inquiétude, on vous le présente vite pour vous le contextualiser, et il sera évidemment disponible comme l'intégralité du document, donc vous pourrez vous en imprégner et potentiellement l'utiliser en exemple pour vous comme vous le souhaitez. Il est vraiment 100% inventé, hein, donc on est parti du principe d'une jeune femme de 35 ans qui habite en région parisienne à Boulogne-Billancourt, qui souhaite créer sa brasserie parce qu'elle a fait un constat, c'est que l'offre en bière craft légère, voire très légère en alcool, n'est pas satisfaisante, donc elle a envie de proposer ce type de bière. D'un point de vue perso, c'est une célibataire sans enfant. Elle peut donc donner pas mal de temps au projet, mais sans non plus faire une croix sur sa vie perso. Et elle peut investir environ 60 000 euros dans la brasserie. Ouais, ça, c'est une espèce de brief de situation relativement classique. Et vous allez voir que de là, on peut en fait en retirer pas mal de choses. En termes de valeur, potentiellement, le travail que nous on fait avec quelqu'un comme ça pourrait être de sortir des valeurs comme la légèreté dans les bières et l'image, l'innovation, le territoire et le partage. En termes d'objectifs, hein, pour se projeter, on pourrait atterrir avec cette personne sur un objectif qui serait de dire qu'elle veut devenir la brasserie artisanale de référence en Île-de-France sur les bières légères. Vous voyez, on est quand même assez précis. Et le positionnement serait que finalement, elle est la brasserie artisanale d'Île-de-France spécialisée dans les bières légères. Sur ces métiers, il y en aurait deux. Il y aurait un métier de brasserie et un métier de brewpub. Quitte à payer du mètre carré cher à Boulogne-Billancourt, autant faire en sorte que ce soit pour accueillir du monde et du passage et faire des grosses marges en vendant des bières dans le brewpub. Un nom, une baseline qui aurait pu ressortir, c'est la brasserie Soft Power, qui pourrait, qui a pas mal de connotations assez sympas, avec une baseline qui aurait pu ressembler à bière légère sensation forte, avec un ton plus marketing, assez léger, féminin, chaleureux, une stratégie de développement avec une brasserie pouvant produire 2000 hectos. Et évidemment, dans le brewpub, faire de l'inédit, de l'éphémère, des collabs. Et donc, de la distri, de la vente, on va dire à 70% vers l'extérieur et 30% en direct dans la boutique. Vous voyez, alors là, j'ai essayé de tenir la minute, donc j'ai fait ça très vite, mais entre le petit brief de départ qui est cette personne qu'on a appelée Lucie, et là on a déjà en quelques lignes finalement rédigé une petite stratégie qui peut être cohérente, et que mes collègues Théodore et Mathias vont poursuivre avec la bière et le matériel en 1 minute eux aussi. Et top chrono, CHR, je vois la question dans le chat, ça veut dire café, hôtel, restaurant. Alors oui,
On reprend du coup l'ensemble des paramètres de Lucie. Elle veut des bières légères, donc nous, on va se positionner dans notre réflexion de gamme de bières à dire bah, voilà, comment on va faire des bières légères. On va venir du coup jouer sur les différentes facettes du processus de fabrication pour proposer une gamme variée de bières légères ou qui vont s'adapter à des styles plus classiques et comment on va du coup mettre en marche cette démarche d'R&D d'innovation. On va se poser la question aussi du brewpub. Le brewpub est potentiellement un espace de vente directe et de vente en extérieur, mais c'est aussi un espace de production qui sera potentiellement limité en termes d'espace. Comment on va pouvoir optimiser tout ça et l'adapter en fonction de nos processus de fabrication et le choix de notre matériel. Les bières sont faibles en alcool, mais avec du goût. Comment on peut maintenir un produit qui est faible en alcool? On va jouer sur les aromatisations, les façons d'ajouter les houblons, les différentes adjonctions du fruit, des jus, des épices, etc., tout en respectant la réglementation autour de la bière, bien sûr. Et surtout, finalement, la vision de la gamme de Lucie, c'était bière inédite, éphémère en collaboration, mais attention, point d'importance, entre votre vision, la vision personnelle de Lucie et la vision du marché. Et c'est pour ça qu'on peut passer à la slide suivante pour mettre en place très rapidement une petite étude de marché. Alors, je vous laisserai regarder, de se dire, bah, tiens, finalement, elle voulait des bières légères, mais la bière qu'on vend le plus, c'est de la triple avec 25% de la consommation en région parisienne. Bon, c'est un exemple, hein, c'est probablement pas ça. Et du coup, finalement, Lucie a décidé de créer deux gammes, une gamme permanente rassurante, toujours en restant dans les tendances de consommation, tout en gardant des valeurs, enfin, le cap des valeurs et du positionnement du projet, avec différents styles envisagés. Je vous laisserai regarder et prendre le temps de découvrir ces styles-là si vous ne les connaissez pas tous. Et la création d'une gamme éphémère, innovante, moderne, qui va pouvoir évoluer selon les envies, les approvisionnements, qui va être disponible sur place ou à l'extérieur. Voilà. Pareil, un certain nombre d'exemples pour venir jouer autour de tout ça. Et puis, un certain nombre de points plutôt techniques sur la recette. Je vous laisserai aussi découvrir ça tranquillement. Et comment bien, point important, et ce que disait déjà Mathias, c'était comment bien prévoir son matériel en fonction de la variabilité des styles qu'on veut faire. Si on veut faire que des bières de garde, effectivement, on va faire peut-être plutôt s'appuyer sur des temps de fermentation un peu plus longs et donc du coup d'avoir une capacité en fermenteur. Si on veut faire des doubles dry hopping, peut-être prévoir un système doublonnage accru type Hopgun pour ne pas citer la marque. Voilà. Je passe la main à Mathias. J'ai un peu dépassé, je crois. Désolé. Mais c'était important. Vas-y, Mathias. Ben voilà, donc et ici, on a fait une petite aperçu de tout ce qu'on a dit pendant la présentation. Donc, c'est juste un petit tableau. Donc, qui est la brasserie, la vente sur place, le volume, la première année à moyen terme et les exigences. Donc, qui était très important pour notre Lucie, c'était un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Un système flexible qui peut brasser de nombreux types de bières parce qu'elle voulait faire beaucoup de sortes de bières et aussi des bières éphémères et des collabs et réduire les efforts physiques au max. Donc, on a choisi pour, bien sûr, une brasserie Co&Co de 1000 litres pour jouer sur l'aspect et réduire les augmenter le rendement. On a choisi pour une versement de malt automatisé, une brasserie qui pouvait brasser des bières avec sortir 18 plateaux, des transferts automatiques pour avoir une sip automatique et une assistance à distance que Lucie ne doit pas toujours aller à la brasserie pour lancer des trucs. Et aussi pour une ligne de conditionnement, parce que j'ai vu passer quelques questions au niveau d'investissement. Combien ça coûte. Je ne vais que parler pour du matériel Co&Co. Donc, si vous pouvez aller aux prochaines slides, Olivier. Donc, ici, on a par exemple la brasserie 1000 litres qu'on a choisie avec des vannes pneumatiques, donc tout automatisé, avec un versement de malt automatique. L'autre slide. Donc, le versement automatique. Donc, on concasse la veille et puis on peut embouteiller. On a les fermenteurs. On travaille en ISO parce qu'on est aussi dans le brewpub, donc on peut éviter de travailler avec la refermentation en bouteille. On a une ligne de conditionnement pour vendre notre bière à l'extérieur. Et puis, les cuves de service qu'on peut donc mettre au-dessus du bar ou à côté du bar. Voilà quoi.
Puis les équipements auxiliaires, donc Théo a dit, il existe des systèmes comme Opgun, des gros foies, des unités site mobiles, comme vous pouvez tout avoir chez nous. Aussi au niveau d'implantation, donc elle voulait une brasserie 1000 ou 10 hectolitres. Donc, on prévoit une surface de production de 110 mètres carrés, une hauteur de 3,60 mètres et on va travailler en électricité. Donc, il faut une connexion triphasée de 120 kW. Puis, les investissements qu'elle devrait faire. En gros, pour ce type de brasserie qu'on a vous montré, il faut calculer un budget entre… Ça vraiment dépend du budget. Je n'ai pas calculé au dernier euro, mais en grand ordre de prix, on parle d'un budget de 400 450 000 euros pour ça. Si vous voulez bien savoir ou si vous avez des questions pour un projet spécifique, puis je suis toujours à votre disposition pour vous envoyer des devis ou de vous aider là-dessus. Mais donc, il faut compter que ce sont des investissements à partir de 5 hectolitres jusqu'au du 20 hectolitres, entre 200 000 et 500 000 euros, quoi, le tout inclus. Bon, merci beaucoup, Mathias. Il est passé 19 heures, déjà pas mal. Je voulais juste terminer. Il y a eu quelques questions, notamment, je pense, une ou deux que beaucoup se posent. Donc, on va y répondre. Juste avant d'y répondre, s'il y en a qui doivent partir, qui avaient prévu un timing tout juste ou qui ont les enfants à aller chercher je ne sais où, évidemment, merci de votre intérêt pour ce webinaire. Mathias, Théodore ou moi, on est évidemment à disposition pour toute question dans les jours à venir. On espère que ça vous aura aidé. Et puis, évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous pensez qu'un accompagnement de notre part, tous les trois, dans un monde idéal où l'un d'entre nous est utile, ben voilà, vous avez toutes nos coordonnées sur le document. Pour ceux qui restent, donc, il y a une question qui a été posée, encore une fois, et je pense qu'elle est assez pertinente, c'est qu'en est-il de commencer comme locataire dans une brasserie? Mathias, Théo, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, dans un premier temps, je pense que pour des gens qui ont un budget finalement assez limité et qui ne veulent pas forcément, ce qui se comprend, prendre un risque financier trop important, moi, je pense que c'est une option tout à fait envisageable dans la mesure où le bâtiment que vous allez prendre en location revêt une certaine souplesse. C'est-à-dire que, comme l'a évoqué, je ne sais plus si c'était Théodore ou Mathias, mais pour faire une brasserie, par exemple, il faut une dalle spécifique pour l'écoulement des eaux usées. Il faut aussi une dalle résistante pour qu'il puisse supporter une certaine charge par mètre carré parce que des fermenteurs, ça pèse. Donc, il faut quand même vous assurer qu'il y a de la souplesse, que le bâtiment est quand même adapté, voire déjà équipé d'une certaine manière. Et si ce n'est pas le cas, que vous pouvez quand même, vous, même en tant que locataire, y apporter quelques retouches. Théodore, Mathias ? S'il y a bien un point auquel j'aimerais appuyer, c'est… Ne faites pas l'impasse sur les évacuations d'eau, parce que passer votre journée à racler le sol de votre brasserie, vous avez bien mieux à faire en termes de suivi de qualité de vos produits plutôt que de faire l'économie en disant le lieu est super, mais je ne peux pas faire d'évacuation. C'est vraiment, je pense, et je pense que quelques brasseurs que je connais en ont déjà eu les frais. Je pense que c'est vraiment un point important à souligner. Ouais, surtout si vous devez déplacer tout le matériel après pour puis refaire le sol. C'est encore autre chose. Il y a une autre question qui rejoint presque un petit peu ça, c'est quelle surface pour le stockage? Alors là aussi, je commence de répondre et puis Théodore, Mathias, vous compléterez le cas échéant, mais si vous n'êtes jamais entré dans une brasserie pro, vous seriez extrêmement surpris de voir que le stockage, c'est la majeure partie en général d'une brasserie. Alors, quelle surface en valeur? C'est impossible de le donner en valeur absolue, mais en valeur relative, moi, des nombreuses brasseries que j'ai rencontrées, j'oserais dire que c'est au minimum 2/3 de l'espace, quoi. Oui, je suis assez d'accord là-dessus. J'aimerais ajouter que ça va aussi beaucoup dépendre de votre modèle de distribution. Si vous faites 70% de fût, 30% de bouteille, ça ne prend pas la même place sur une palette.
si vous mettez des racks, si vous stockez au sol, si vous avez de la hauteur sous plafond, etc. Tout ça, ça peut dépendre énormément. Quelle est votre rotation? Si vous faites de la refermentation de bouteille, il va falloir prévoir un espace de stockage à chaud, en plus du stockage de produits finis. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets, mais c'est à peu près effectivement deux tiers de la surface. Ouais. Et ça pose d'ailleurs une question, c'est de se dire, si vous voulez ouvrir une brasserie en centre-ville, est-ce que c'est intéressant de payer un loyer de centre-ville pour deux tiers de stockage? Je connais, moi, beaucoup de brasseries ou quelques brasseries qui fonctionnent comme ça, donc qui ont une groupe en centre-ville, mais qui ont un stockage à l'extérieur de ville et puis font ouais, le transport aller-retour. Donc, qui paye ou qui loue un bâtiment à côté qui est beaucoup moins cher qu'en centre-ville. Mais ouais, ce n'est pas pour donner pour tout le monde, mais ça peut être. Et si vous pouvez travailler en hauteur, optimiser l'espace en hauteur, ça c'est toujours gagnant, quoi. Ça c'est très important. Le challenge du brewpub aujourd'hui, hein, je sais que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, c'est de se dire, est-ce que ça sert à quelque chose en termes de temps, d'investissement, de faire du fût, alors qu'on peut avoir des tanks de service et du coup avoir à la fois un bel objet qui monte votre production et à la fois du stock entre guillemets économisé, quoi. Donc voilà, toutes ces questions qui sont à poser, c'est très intéressant. Et Théo, je vais mettre et de la marge sur le litre. Oui, de la marge. Complètement. Ouais. Moi, beaucoup plus haut. Dites-vous bien que la marge litre dans un brewpub, elle est énorme par rapport à de la vente à l'extérieur où bah voilà, vous avez tous les intermédiaires qui vont logiquement prendre au passage, quoi. D'ailleurs, ça amène une autre question que quelqu'un a posée, puis je pense qu'on s'arrêtera là. Convertir une brasserie en brewpub, est-ce que, alors je ne sais pas si la question était posée comme ça, ou c'est Emilien qui, mais est-ce que c'est casse-gueule? Ben, convertir une brasserie en brewpub, déjà, moi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut que ça vous fasse envie, parce que de mon point de vue, ce n'est pas le même job. La brasserie, vous fermez la porte à 19h et vous revenez le lendemain matin à 8 ou 9h du matin. Un brewpub, à partir du jeudi soir, potentiellement, vous êtes sur place jusque 22h ou 23h, et le samedi, vous y êtes là aussi sur tous les horaires d'ouverture. Ça devient un métier d'accueil qui demande du coup des compétences particulières, qui demande une forme de maîtrise de ce secteur, donc le CHR, hein, café, hôtel, restaurant. Donc, c'est un projet d'entreprise différent. Et puis ensuite, évidemment, mais là, je laisserai Mathias et Théodore en parler, d'un point de vue produit et surtout matériel, ça change là aussi la donne, quoi. Mathias, peut-être De nouveau? Ouais. Non, on refaisait le point sur le fait de se dire est-ce que je monte une brasserie et ensuite je monte un brewpub Ou bien différemment, ouais, c'est difficile à dire. Il y a des exemples des gens qui sont commencés comme brewpub et qui ensuite installé une grande brasserie de production, par exemple. Qui est en train de faire ça maintenant, c'est Brussels Beer Project à Bruxelles. Qui est en train de faire, donc, c'est possible de faire l'une à l'autre sens, ou une brewpub qui se lance comme brewpub et qui après a un lieu de production en centre-ville ou en l'autre sens. Ouais. Les deux sont faisables, mais c'est toujours mieux comme Olivier a dit, d'y penser avant et d'avoir une but pour y aller. C'est ça qui sont les projets gagnants, quoi. Bon, je me permets d'ajouter, je pense que c'est assez intéressant et de l'avoir vécu, c'était assez compliqué à gérer par la suite. Il y a deux choses. Il y a prévoir en se disant, je construis ma brasserie et après, je fais un second investissement. Alors, retour sur les banques, business plan, etc., pour installer un brewpub ou une salle de dégustation ou ce que vous voulez, avec le risque de se retrouver en fait dans une stratégie au démarrage plutôt CHR, distribution, et du coup d'être pris dans cette stratégie et de finalement ne plus avoir l'espace pour installer cet espace de dégustation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est si on fait un espace de dégustation, on veut que ce soit un espace qui soit visuellement, qui soit intéressant. Il y a un côté esthétique et surtout faire la part des choses entre
je veux une brasserie qui soit esthétique, mais derrière, il faut que je pense surtout à l'encombrement que ça va prendre, les plans de flux, les plans d'implantation, la facilité que je vais avoir à faire mon process. Si on se retrouve à devoir faire 30 mètres en transportant des fûts de 30 litres, parce que finalement, c'était plus beau de mettre, je sais pas, des barriques ou autre chose près de l'accueil du public. Je sais pas comment. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je voyais, ce que je veux dire, quoi. Tout à l'heure, on change de métier. Ces deux métiers ont deux logiques différentes. Il y a un métier qui a des logiques, en effet, comme tu dis, esthétiques, par exemple, et un autre métier qui a une logique plus logistique. Et le mariage des deux est pas forcément facile, quoi. Ouais. Donc à anticiper, quoi. Ben c'est comme Pierre dit dans le chat, le Covid est un bel exemple qui montre qu'un groupe peut se transformer à une brasserie qui fait aussi la vente à l'extérieur. Donc, ouais. Bon. Ben écoutez, en tout cas, merci à tous. Merci Théodore, merci Mathias. Tout ce que vous merci Olivier. Avez apporté. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Et puis, je vous dis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de qu'on vous aide dans vos projets de brasserie. Et puis, au plaisir de vous rencontrer tous autour d'une bière par hasard. Avec plaisir. Allez. Bye bye. Bye. Salut. Merci.